Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure sur Marvel's Avengers. Très heureux de vous retrouver, nous sommes sur PS4 et on va commencer aujourd'hui la campagne solo du jeu qui est centrée sur l'expérience narrative. Et ça franchement ça m'intéresse. Un scénario pour info totalement inédit avec nos super-héros hein, qu'on va pouvoir contrôler les uns après les autres, ça va être génial. Eh bien écoutez, on se lance tout de suite dans la campagne. Pour info, je n'ai pas joué à la version bêta du jeu. J'aurais peut-être dû, hein, veuillez m'excuser, mais j'avoue que j'avais d'autres séries en cours et je me suis dit que j'allais attendre le jeu final. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette nouvelle série vous plaît à la fin de la vidéo. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et pensez à vous abonner aussi. Hein. On va jouer en mode normal, je pense. C'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. Le pont à bout, regarde là! Oh. Oh, il était temps. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Et s'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fière de qui tu es. Je t'aime, Apu. Oh, je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Oh là là, t'imagines? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bêta. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche et nous poserons la chose sur le Chimère. Allez, Apu, on y va. J'arrive. Calme-toi un peu. Vraiment génial. Ok, je dois récupérer mon badge. C'est parti pour le concours d'écriture. Oh. Alors, le mode photo, appuyez sur option maintenez pour accéder au mode photo et prendre des captures d'écran. Non, pour l'instant, on continue. Bienvenue au jour des Avengers. Bonjour finaliste, tu peux me donner ton nom? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Les Khan, super. N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics? Mais c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. On n'en a jamais assez. Alors, 5 points, 5 objectifs. Alors, c'est joli, hein, franchement. Vigilance tactique, appuyez sur la flèche du haut pour activer vigilance tactique et afficher les marqueurs d'objectifs. Ah bah voilà, ce sera plus simple. Alors, on va commencer par le bas. On fait les choses dans l'ordre ici. Wow. Attention. Maintenez L2 visé, regardez autour de vous. Je suppose qu'il faut que je tire là-dessus.
Ouais. J'ai les cibles rouges, mais pas les vertes. Pas les vertes, d'accord. Pas de problème. On s'échauffe. Hop. Attention au vert. Je suis bon. Et voilà. Pas mal du tout. Comics, c'est maintenant à moi. Et un comics, un. Chaque comics obtenu vous octroie un petit bonus de stats. J'ai plus qu'à trouver les autres. Alors, suivant, apparemment par ici. Ok. Captain America et les Avengers. L'affrontement des super-héros. Wow. Hulk écrase. Ok. C'est parti. La puissance. Ouais. Comme elle a aussi fort que Hulk. Alors perso, j'en doute. Même si c'est quand même Miss Marvel. Ouais, ça fait deux. Et de deux. Ensuite, le C, c'est par là-bas. Ah, c'est vrai que c'est plutôt classe, hein. Plutôt joli. Oh non. Est-ce que ça va? Non, j'ai déjà ce comics. Il faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger? Ouais, bien sûr. Super, à plus tard. Pas de soucis. Oh, je vois du Iron Man devant. Mais oui. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man. Oh, trop cool. Ah, c'est une gamine. Ah, c'est ici. Oh, j'y crois pas. Des gants répulseurs. Il faut que j'en essaye un. Ah, quelle est donc cette atrocité? Ah, toutes mes excuses. Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Même si je comprends ta réaction. Quel est ton nom? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3, le premier camp de Tony Stark. Par la barbe d'Odin, tu es presque aussi intimidante que lui, hein? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde, voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Quiconque possédera ce marteau, si il ou elle s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et la puissance d'un dieu. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part. Non? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Vous aussi. Kamala Khan. Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Génial. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. C'est énorme quand même. Alors j'avoue que j'aurais réagi de manière encore plus impressionnée, je pense. Si Thor était apparu devant moi comme ça, waouh. Je pense qu'il faut passer par là. Cool, encore des comics. Ne laisse pas Stark. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Le Terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider.
Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Te voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois ? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Hé, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Oh, Je suis perdue. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord ? J'ai rien fait. Un comics de plus. Je suis innocente. Alors ensuite, le dé, c'est par là. Oh. Tu peux essayer ? Tente ta chance. En es-tu digne ? Oh. Eh non ! Presque ! Presque digne, c'est déjà pas mal. Voilà ton comics. Merci ! Et imagine, je l'aurais retiré. Presque ! Balcon VIP, me voilà ! Et ensuite, c'est par ici. Oh, Captain America ? Oh non, il y en a plus. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. C'est trop cool. Pousse-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vrais fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan? J'ai le droit d'être là, moi aussi. Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire? Vas-y, dégage. La foule et la presse et le monde entier vous demandent de partir. Restez plantés là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité. Et dites non. Vous partez. Hein ? Et qui a dit ça ? Un vrai fan le saurait. Ouais, si tu le dis. On se tire d'ici. Génial. Il n'y a même plus de comics. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Merci. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle n'est pas là, mais elle aurait aimé te rencontrer. Pardon, vous êtes Captain America ? Je suis Kamala. Kamala Khan. Khan. C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire ? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé, Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor ? Il devrait être là maintenant. Moi, je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark. Mais il doit plus être là maintenant, je l'ai vu s'en aller. C'est qui ça ? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézards des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Ouais. Peut-être à bientôt, Kamala. À la prochaine, petite. À la prochaine. C'était Captain America et Black Widow. Oh, c'est incroyable. Oh, je l'ai déjà, celui-là. Attends. Tu peux peut-être échanger celui-là avec le garçon. Ah oui, c'est vrai. Alors, on va le retrouver. On repart en arrière. Il me semble que c'était... Par là-bas, hein. Ouais, c'est bien ça. C'est complètement dingue. Thor, Black Widow, Captain America... Hé,
J'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est bon, je les ai tous. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Mission accomplie. Et en vérité, je pense que n'importe quel gamin, et pas que les gamins, oh, précieuse collection, et pas que les gamins, de rencontrer leurs super-héros comme ça, je pense qu'on aurait quelques-uns qui tombent dans les pommes. Ah ouais, une petite syncope, hein, parce que franchement, c'est impressionnant. Quelle arrivée! C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas les vrais visages, tu vois, des super-héros qu'on retrouve dans les films. Ça aurait fait son petit effet. Ah, je pense que c'est là. Logiquement, hein, c'est l'endroit où on n'est pas allé pour l'instant. Directeur Fury. Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce terrigène? Nous ne savons rien de cette... N'ayez crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du SHIELD. Merci. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. Beta, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut que tu scannes ton téléphone. Sésame, ouvre-toi! Je détiens tous les comics. Il a même pas eu le temps de finir sa phrase. Je suis trop speed. Sésame, ouvre-toi. Merci, merci à tous. Nous sommes ici pour... C'est le plus beau jour de ma vie. Alors je suis content, Beta. Chut! Il faut passer, nous, les héros, pour bien plus formidables que nous le sommes. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Terrigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. Merci, Capitaine Rogers. Le Chimère est alimenté par un nouveau minéral, le terrigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Bonjour, San Francisco! Une ville formidable! Même si, pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. Je lis ça. Non, non, j'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Tu m'attendais ? Oui, évidemment. Je vais pour me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. Je t'ai pas attendu. Thor, essaie de dégager un passage sur le pont. Ok. Et c'est parti en fin du gameplay. Esquivez donc avec rond, très bien. Je vois. Oh, c'est punchy. Je vous défonce. Attaque lourde avec triangle. Ah, effectivement, c'est lourd. Et ça dégage. Je vais prendre un petit déjeuner plus consistant. Thor, merci pour votre aide. Des civils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Restez derrière moi. Je vais m'occuper. Pas de problème, Thor.
Mm-hmm. Alors maintenez triangle pour effectuer une attaque puissante et briser une barrière. Iwata ! On va bien s'amuser. L2 pour viser. Ouh. C'est énorme. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Incroyable. Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Cap, ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans le chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Oh là là, mais c'est insane! Vous êtes blessé? Non, juste coincé! Vous avez de la chance, je suis très puissant! Merci, toi! Mettez-vous à l'abri! Il se la pète un tout petit peu, hein. Les secours arrivent. Je suis les secours. Oh la grosse tête. Oh là là. Eh, j'avoue que le coup puissant il est monstrueux. Hein. Ok. Pas m'énerver longtemps, toi. Allez. Deux en un. Attends. Patate dans ta tronche. Dieu du tonnerre, qui allait que tu serais le seul à avoir le droit de t'amuser. Tu m'en laisses un peu quand même. Appuyez sur L1 pour utiliser la capacité héroïque Fureur Guerrière. Oh là. C'est ouf. Oh là là, je sens qu'on va oui, s'amuser les enfants. Ah ah. Oh, quelle arrogance, ça me plaît. Ok, j'ai déjà eu celui-ci. Attention. Marteau dans la tronche. Des boucliers. J'adore. J'aime les boucliers. Pour vous. Ah d'accord, donc ça part en gros pour faire une attaque lourde, je pense, pour ceux qui ont les boucliers. Même pas. Hein. Ah, faut maintenir. Ok. Ouais, logique. Et... voilà. Est-ce qu'il me voit ça? Mais par contre, pas de bouclier. Tranquille. Eh, toi là-haut. Me le confirmer. Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Ce serait pas assez briefing de Fury que je dis jamais? Tu devrais, Tony. C'est important. D'accord. Peu importe. Par contre, faut bien viser, hein. Wow. Des roquettes pulsars. Ravi de voir que Fury a dérangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais. C'est moi qui les ai fabriquées. Protéger le cristal intelligent. S'il est touché, je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Amenez-vous. Alors, d'accord, R1 pour activer la capacité héroïque. Le convoi transporte le prototype secret du Shield. C'est lourd. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Elle, comment va ça? Elle dit à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps. J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Oh, oh, oh. J'adore. On va essayer d'esquiver quand même. Retournons au combat, ouais j'y vais, t'inquiète pas. Il y a eu l'idée géniale d'équiper les camions du Shield de tourelles. Détruis les tourelles. Rapidement s'il vous plaît. Cadeau. Une petite dernière. Comment ça se passe pour toi? Ouais tranquille. Oh ça va. Tout se déroule à merveille. Ok,
Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge ? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oui. Plaquer au sol les ennemis, saisis, appuyez sur triangle pour plaquer au sol, d'accord. Oh là, ah, je plaque pas au sol là, je l'ai. Il s'envole. Énorme. Waouh, efficace Luc, hein. Très efficace. C'est rien ça pour moi. Oh, t'as les particules, c'est impressionnant. Salut. Je casse tout. Énormissime. Je n'ai peur de rien. Sauter sur les murs. C'est tellement classe. Putain, c'est un film hollywoodien le truc. Loin gassant, pas vrai. Papa aérienne. Ouh. Violent. Déplace-toi mon Luc. Et... je les ai touchés je crois, mais ils s'étaient un petit peu éloignés. Je frappe un tout petit peu dans le vide. Et... je pensais seulement rencontrer mes bonnes et manger des gâteaux aujourd'hui. Content de te voir, Tony. Oh, ça pète dans tous les sens. Ah, trop fort. Oh, ça tombe. Major, quel est votre statut? C'est blindé, fragilise sérieusement le pont. Si on s'en occupe pas, il risque de s'effondrer. Dépêche-toi, mon grand. Il a déjà bien souffert. Statue assez instable. Coup de tonnerre. Oh la vache. Ah oui, quand même. Je le vois. Hulk, je vais atterrir le Quinjet. Géant vert. Oh, l'esquive. Oh, merde. Comme il l'a envoyé chier. Petit coup de pied, pop. Tes inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Et c'est parti pour Captain. Lancez de bouclier. Putain, énorme. Ah, émulation spéciale? Merci, attaquer. Évacuez les civils. Attention les fumées. Je ne vois plus rien. Je suis étourdi. D'accord, on bloque avec R2. Steve, tu m'entends? Ça marche. Énorme. Tarleton, vous êtes là? On a été coupé. Oh, 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 le percut. Je sais, Doc. J'essaie de détourner le chimère. Oh non. J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible. Ça a abusé, hein. Ah, j'avoue que par contre, Captain America, il est monstrueux. Meilleur gameplay, hein. Wow. Aïe, c'était quoi ça? Un dieu. Envole-toi. Dites-moi ce qui se passe. Le réacteur ne se stabilise pas.
La structure moléculaire du Terrigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable! Attendez! On rappelle! Et si je ne m'abuse, depuis tout à l'heure, c'est la partie de la bêta qu'on voit. Le vaisseau va pas tenir longtemps! Je fais de mon mieux, je... Darlton! Avengers, vous recevez? Qu'est-ce qui se passe? Qui est le suivant? Toi! Avengers, au rapport! Hop là! Le berger? Le berger? Bagarreur de Brooklyn. Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Sonic, c'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. En voilà une entrée. Taskmaster. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. On enchaîne. Non. Ouh. On va être quand même rapide. Hein. On me tire dans le dos, ça marche bien. Quelle séquence, les amis, mais quelle séquence de dingue. Ah d'accord, il s'envole, ça commence. Ok, ça on esquive. Wata. On prend toujours des notes comme d'habitude. Quoi? Ah d'accord, on peut verrouiller la caméra. Plus je me bats, plus t'apprends, non? Des réflexes photographiques. C'est plutôt un manque d'originalité. Permets-moi d'esquiver, mon cher Task. Ah t'as mal, hein? Alors par contre, est-ce qu'on peut bloquer? Je sais pas trop honnêtement, je sais qu'on peut esquiver. Attention.
C'est tout ce que t'as en magasin? C'est ta dernière danse. Alors, appuyez sur R2 pour utiliser la prise de Black Widow et contrer les attaques, signalées par un indicateur bleu ou jaune. D'accord. On va tenter. Allez. Bien joué. Ça doit être frustrant. C'est stylé. Pour avoir un train de retard. Ah, j'esquive les attaques. Chimère, c'est ça ? Et qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Je vends mon coup de franc ? Tu as la recherche de quelque chose de bien plus précis. Et qu'est-ce que c'est ? Je ne voudrais pas gâcher la surprise. Ah, c'est vrai qu'on peut lui tirer dessus aussi. J'ai oublié. J'ai oublié ce petit détail. Elle a plusieurs tours dans son sac, Black Widow. Wata ! Attention ! C'est par là. De corps à corps. Et les tirs de loin. Ouh. Alors, il y a un petit Locoto. Cherche encore des réponses. T'abandonnes ? Jamais. C'est fini. Ah d'accord, maintenant il esquive tout. Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant ? Que t'es pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé. Voile des ténèbres. Là. C'est quoi le problème ? T'aimes pas les surprises ? La prochaine fois, prends de meilleures notes. On dirait que t'as perdu, non ? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant ? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Mais qu'est-ce qui se passe ? Toute la ville s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends ? Sors de là et vite ! Vite ! Oh. C'est pas vrai. Non. Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société ? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation.
J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant ? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM, et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du A-Day. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Allez, vous êtes passés. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Hé, hey, salut. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça m'intéresse. Waouh, Stark Rétro. Hé, hey, tu as du temps pour parler, Beta ? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein? Oh! Et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe. Premier amour. Oh. Quoi? Allez, Kamala, tu peux le faire. Votre énorme ego, Monsieur Stark. C'est quoi ça? Stop! Non! Non, non, non! Oh! C'est bloqué! Je sais que je tiens quelque chose. Je ferais mieux d'apporter ça au QG. J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Ah bah bingo là, hein. Tu as déclenché la fureur. Alors, tyrolienne? Wow. Ah ouais quand même, c'est des jeunes super-héros. Un petit jeu de fléchette? Je pense pas que c'est le moment, hein. On fait quoi maintenant? Ah ouais d'accord, elle a des bras extensibles. C'est quand même stylé. Wouh! En
surface on peut, je pense. Ouais. Trop la classe. Ça glisse. Elle peut monter ici. Ah attends, il y avait un truc là. Qu'est-ce qu'on a? Comics trouvé, d'accord. Un petit comics. Alors je suppose qu'il y a des trucs à trouver par contre dans le monde là, c'est sûr. Hey Captain Marvel, merci pour l'entraînement à la polymorphie. Ah regardez. On passe par là, je suppose. Elle s'élance et... Ah bah bravo. Faut être plus rapide ma grande. C'était une bonne idée. Attention, c'est parti. Non, il faut que je trouve un truc pour la renforcer. Ah d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y avait ça aussi. Je me disais. Ça peut faire l'affaire. Oui, je pense. Viens pas ici. Au moins on pourra sauter en face. Et voilà le travail. Et maintenant, on peut y aller. Ah bah non. Attends, je l'ai mis trop loin. Mais bien sûr, ça c'est bien moi, tiens. En même temps, la caméra se place mal, hein, ceci étant dit. Hein. Ouais, pas encore totalement dessus, attends. Là, on est bien, je pense. J'espère. Ouais, quoique, peut-être pas encore pile poil. C'est bon. Et voilà. T'as les courses super vite, hein. Pourquoi s'embêter avec des systèmes de sécurité dernier cri alors que je suis la seule à pouvoir réussir ce saut? De retour au QG. C'est le bazar, mais c'est mon bazar. Si quelqu'un essaye de m'avoir à distance, il risque d'être surpris. Avec mes bras extensibles, c'est la victoire assurée. Oh, Amir serait scandalisé par tout ça. Mais d'un autre côté, mon frère se scandalise d'à peu près tout. Ouais, il est bien usé. Je me demande si certains modèles sont adaptés aux frappes super géantes. Un nouveau comics. Alors attends, on peut déplacer ce truc pour l'amener où? Ah oui, j'ai vu là-haut. J'ai vu. On peut monter. Faut mon ordi. Allez, voyons ce qu'on a. Le chimère? Ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Le docteur Tarleton. Mais vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh, Cap! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Tarleton l'a enfermé? Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon Dieu, il a tué Cap! Quoi? La ballerine? Oh non. Le parc des héros? Je sais pas. Ça pourrait être un piège. Mais si c'était pas le cas... Je dois montrer ça à quelqu'un. Bon, réfléchis bien, Kamala. Fournis la preuve et ce sera fini. Alors, nouvelle ère, rejoignez le parc des héros. Oh. Bonjour,
Alors, par où je vais, par contre? D'accord. La tyrolienne. Ah oui, je suis bête. Je l'avais pas vu. Énorme. L'échelle en face. Oh! Allez. On va y arriver. Trouver un autre chemin pour rentrer dans le parc des héros. T'inquiète, je m'adapte. C'était quoi ça? Quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir. Oh non. Inhumain a été repéré dans la zone. Selon le protocole inhumain section 3 paragraphe 8.2, veuillez rester immobile pendant toute la durée du scan. En douceur. Ça va aller, ma chérie. Reste là. Scan terminé. Aucun ADN inhumain détecté. Merci d'avoir coopéré. Pas de problème. Ensuite on va par où? Là-haut. Saute deux fois, hein. Ouais, c'est ça. Ouh. On m'a repéré? Je crois bien qu'on m'a repéré, non? C'est la première fois que je vais au parc par ce chemin. Tout droit, j'imagine? Toujours tout droit. C'est original. Si Tarleton mentait à propos du pont de commandement, qui sait ce qu'il a pu inventer d'autre? Ouh. Un petit objet. Ouais, moi je pense qu'il fallait passer par là-bas. Yes. Bonjour, je suis le docteur George Talbot, PDG. Ah, ça va glisser. Super glissade. Wouhou. Allez, mettre ça dans tous les jeux, hein. Hop là. Attention à l'atterrissage. Pas très gracieux, mais j'ai réussi. Bon. Je dois trouver la statue de Cap. À Jersey City. Salut, le parc des héros. Ça faisait longtemps. Mes parents m'emmenaient souvent ici quand j'étais petite. Alors, on va essayer de la trouver. Ok, c'est pas par là. Ah d'accord. On m'indique toujours où aller en fait. Tous des inhumains. Et tous portaient disparus. C'est de ça qu'Abou avait peur. La première personne qu'ils ont appelée inhumain. Wow. Ça fait 4 ans déjà. C'est une bonne cachette pour surveiller la statue de Cap devant. La IM détruit cet endroit pour bâtir leur nouvelle clinique. Quel gâchis. Cap. Ça fait trop longtemps. Hey, tu vas où? Chez moi. Déjà? On vient d'arriver. Hey, t'as soif? Non, non, merci. Quoi? T'es en train de prier ou quoi? Je prends juste un raccourci, c'est tout, les gars. Un raccourci. Allez, va-t'en d'ici. Hey. Joli briquet. Donc tu veux qu'ils reviennent? Pour qu'ils puissent tous nous tuer? Quoi? Non. Non? Non? Non. Alors quoi? T'es un fan des inhumains? Du calme, les gars. Tu soutiens des sales traîtres. Arrêtez! Est-ce que ça va? On dirait que t'as une petite copine. Zach?
Mate-moi son sac. Quoi? T'as pas honte d'aimer des assassins? Je veux juste rentrer chez moi, ok? Ah oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mon petit frère était présent au Hayday. Avec son histoire débile sur Captain America. C'était pas la faute de... Tout est de leur faute! Il est devenu violet et bizarre. Et puis ils l'ont enlevé! Hé, hey, vas-y, Molo. Zach, calme-toi, mec! Il est mort! Arrête! Il est mort! Zach! Il est mort! Reculez! C'est l'une d'entre eux! Faut pas qu'elle nous touche! Allez, on se barre! Hé! Hey. Est-ce que ça va? Allez, on y va! Ne me touche pas! Quoi? T'es la ballerine ou pas? Qu'est-ce que je dois faire de ça? Mais de quoi tu parles? Laisse-moi partir. Hé! Hey! Faut que j'y aille. S'il m'attrape, ma photo va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur. Alors, t'es bien gentil, mais ça va passer au-dessus, donc on va devoir courir, ma grande. Allez, on se tire! Et finalement, elle a peut-être la puissance de Hulk, hein. Elle s'est mimine. Elle s'est taluche. On peut pas aller à la rencontre. Ah, je me suis fait avoir. Fallait que je reste planqué. Non, on va attendre un peu, hein, que ça passe. Hein. Derrière, ça me fait peur, il y a des drones. De partir par là. On tente? Non, c'est pas le bon chemin. Ah mais là-bas en face, comment on fait? Oh, y a du monde partout. C'est monstrueux. Mais c'est forcément par là. C'est pas vrai. Ils sont partout. Ah, comment je vais faire? Revenir en arrière, mais le problème c'est qu'il y a les drones là-bas, non? Ils sont absolument partout. Donc je vais où? Il n'y a pas 56 solutions, hein. On reste là. Non, il faut que je bouge. Je suis obligé de passer par ici. Oh là 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 là, mais c'est un enfer encore. Avance. Mode discrétion activé. On va y aller en douceur. C'est bon, lui il est retourné. Ah, mais je suis sûr qu'il va se retourner pile poil quand je vais y aller. Ah. Maintenant. Il m'a entendu, non? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Et où j'habite? On y est presque. Ok, l'autre il revient pas, super. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis, s'il te plaît? Merci. Allons-y. On va s'en sortir. Empreinte découverte près de la statue de Hulk. Examinez la zone. Bien reçu. C'est ça. On a besoin de toi ailleurs. Allez, Oust! Allez, Oust! Maintenant, on doit aller par là-bas. Ça m'embête parce qu'il suffit qu'il se retourne. Je peux m'échapper par ici. Effectivement. Il y a trop de gardes devant. D'accord, par le côté. On contourne. Et si j'allais au parc rencontrer la ballerine? Mais quelle idiote! Super idée! Doucement. Ok, avance gentiment. Au pire, on peut passer par là. Je tente. Allez, je tente le coup. Non! Mais quel con! Je l'avais pas vu! Ah, on retente. On recommence d'où? Oh, ça va. On commence de là. Donc, on va essayer de pas refaire la même bêtise. Pourquoi on s'est fait repérer? Ah d'accord, lui.
Viens par là. Ok. Ça le fait. Vendu. Pas si simple, hein. On va s'en sortir. Réfléchis, Kamala, réfléchis. On ne va pas trouver. Les égouts, j'espère qu'ils savent pas nager. J'espère aussi. Oh, merde. Attention au mec là-haut. C'est le seul danger pour le coup. Et regarde de l'autre côté. Ok. Les arts des égouts, me voilà. Ah, ça schlingue. Oh non, c'est encore plus dégueu. Un drone n'a pas détecté des mouvements dans les égouts. Alors allez-y, maintenant. Oh, je vais avoir de la compagnie. Oh bah non, pas dans les égouts. Les égouts. Oh là là, c'est les boules. Évidemment, on peut pas sauter pour aller en face. Ça aurait été trop simple. Attention à la machine. On peut y aller. Il suffit de faire un petit peu attention. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est pas vrai. J'aurais dû m'en douter. En fait, je pense qu'il faut tracer, faut pas s'arrêter. Sinon, on se forcément repérer. Dépêche-toi. Ok, c'est bon. En fait, fallait aller au plus simple. Tout simplement. Oh. Faut les repérer comme ça. C'est tant d'axes. Je pensais pas avoir à pousser des poubelles aujourd'hui. Ah d'accord, parce qu'on peut passer. La IM a aussi lancé des humains à ma poursuite qui peuvent se téléporter. Alors un humain en général se téléporte pas, mais bon. Balancement de grappin. Kamala peut allonger ses bras pour s'agripper à un point d'ancrage. Appuyez sur X en l'air pour vous balancer depuis des mâts et atteindre rapidement un rebord en hauteur. Les points d'ancrage sont indiqués sur la TH lorsqu'ils sont à votre portée lors d'un saut. D'accord. Waouh. C'est la classe. Pratique hein, d'avoir des bras comme ça quand même. Des bras extensibles. Ok. Sors par là. Attends. Tu te fous de moi ? Vas-y. D'accord, fallait juste sauter. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas notre taupe. Elle nous pose quand même problème. Elle nous pose quand même problème. Ah, bien. Tu es réveillé. Je suis désolé. Ces synthoïdes n'ont fait qu'appliquer leur protocole de sécurité. Le vol d'informations privées est un grave délit. Monica, laisse-la respirer. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous m'emmenez? En lieu sûr. Excuse-moi. Je sais que je ne suis pas aussi bien que mon homologue holographique. Mais il faut bien plaire aux actionnaires. Docteur Dalton ? En personne. Pourquoi pirater nos serveurs ? Je ne vous ai rien volé. Alors, qu'est-ce que tu cherchais ?
Le remède, peut-être. Kamala. L'AIM veut seulement essayer de nous libérer de l'emprise des plus puissants. En toute subjectivité. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Le Heyday en est un bon exemple. Toi, tu as la chance d'être en vie. Mais grâce à la technologie, nous pouvons les combattre. Nous pouvons te rendre ta vie normale, Kamala. Bon, j'ai deviné le mot de passe, ok ? Je pensais pas du tout réussir. Elle est clairement violente. Son infection a dû se propager. Hein ? Je voulais faire de mal à personne. Je sais bien. Mais qu'arrivera-t-il si tu perds encore le contrôle ? Qu'arrivera-t-il si tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes ? Même les Avengers ont souffert de leur orgueil. Et vous y étiez ? Je veux dire, quand Cap est mort. Vous y étiez ? Oui. Heureusement, Monica m'a trouvé sur le pont. Sa formule de régénération m'a sauvé la vie. Allez, Kamala, saute le pas, hein ? L'AIM peut t'aider. Je vais tenter ma chance. Sans Georges, rattrapez-la, vite ! Bravo, Kamala. Tu viens de révéler que t'étais une inhumaine. Idiote ! T'imaginais quoi, hein ? Devenir une résistante ? Une nouvelle héroïne ? Je peux plus rentrer. Ami, Abou, ils seront punis pour m'avoir cachée. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Luta. L'ancienne base du SHIELD. La Résistance doit savoir quoi faire. Vous avez été identifié comme une inhumaine illégale. Rendez-vous maintenant. Non, merci. Et vous ne serez pas blessé. Je... J'ai adoré le « non merci ». On va être traqué à mort, là. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se balancer. Il faut que je quitte la ville. J'avais déjà oublié. Waouh ! Alors, c'est très téléguidé, quand même. Attends, je viens de me faire choper, là ? Il faudrait un terrain balisé pour pas que je me perde. C'est énorme. Oh ! Ça dégage. Oh bah t'as fini toi aussi. Allez. Lâchez-moi. Quoi ? Arrêtez-vous ! Sûrement pas. Arrêtez-vous ! Sûrement pas ! C'est ce que j'ai dit ! Énorme. Oh là là. Stop. Est-ce que Gaël peut m'aider ? Je ne peux pas rester pour le savoir. Ses mains, j'en reviendrai. Oh non. Ok, c'est parti. Et c'est parti. Alors, polymorphe. Chaque héros dispose d'une jauge intrinsèque qui limite l'utilisation de ses capacités spéciales. La capacité polymorphe de Mrs. Marvel lui permet de changer la forme de son corps et d'éviter automatiquement les attaques signalées par un indicateur bleu tout en augmentant sa force d'attaque. Maintenez R2 pour utiliser la capacité polymorphe. Utiliser cette capacité épuise l'énergie intrinsèque qui se régénère progressivement.
Maintenez R2 pour contrer les attaques ennemies et augmenter vos dégâts de corps à corps. Allez. Hop là. Oh là là. Ah, c'est magnifique. En plus, on n'a pas souvent l'occasion de voir avec ce genre de héros. C'est plutôt cool. Hop, esquiver. Toujours pareil. Là-haut. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Allez, allez, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est pas fini. Pourquoi on donnerait pas à nos nouveaux amis un petit coup de... Oh là là. Un petit coup de main. Ok. Je vais tous vous casser. Hop là. Alors arrêtez d'essayer de me tuer. Oh là là, mais ça ne s'arrête jamais. Bien essayé. Je me suis beaucoup entraîné. Wouhou. Ok. J'aurais pas dû l'utiliser maintenant, c'était un petit peu ridicule. Mauvais moment. Cadeau. Mon poing dans ta tronche. Ah. Oh, ce coup de pied. Il est où? Ah, il était remonté, ok. Sujet 1102. Il peut se cloner presque parfaitement, à l'exception d'une variation dans la couleur des yeux. Les cellules se divisent au centre afin de créer deux individus distincts. Oh, exactement comme le ver planaire, sauf qu'il est humain. Tout à fait. Et il peut retenir tous les souvenirs du sujet original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et... Et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Et nous pouvons en programmer toute la puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Tu as été dans le coma pendant 6 mois. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération. Et le traitement sera terminé. Ils allument encore des bougies au pied de cette statue. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais détruite. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il y a un adaptoïde à lancer. Mais tu as raison. Cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée. Presque. Oh, c'est vraiment incroyable.
Bonjour, c'est Yusuf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hé, hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite. C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine et pouvoir t'appeler. Enfin bref, t'avais bien raison, on s'éclate. Je reviens dimanche soir. Promis, je serai sage. Je t'aime encore plus. Toutes les théories du complot que j'ai pu trouver en ligne indiquent que ce canyon serait la base de la résistance. C'est la seule chance qui me reste. Ah oui, quand même, c'est super beau, hein. Longue vidéo, je me suis lâché. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce début d'aventure vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Elle arrête pas de se balancer, regarde. Elle a bougeotte. Merci à tous, portez-vous bien, et à très vite. Ciao, ciao!